Accélération peut-être de Nino Arial. Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Devant un gardien qui en profite pour zouker. Très joli déhanché. But. Observez ses petits pas. Quelle grâce. Avec Malik qui va tenter sa chance. S'il vous plaît qu'on lui achète un GPS. Salut la MIF, aujourd'hui nouveau concept, restez attentifs. J'ai réuni pas mal de personnalités autour de moi, des amis qui sont influents sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, influents sur scène, au cinéma ou à la télé, pour qu'on puisse faire vivre nos deux passions. La première, c'est de faire rire les gens. Et pour ça, on organise un match de foot complètement what the fuck, qui se jouera avec des jumelles collées sur les yeux, je vous montre. Malik attrape. Voilà. Voilà, vous avez compris. On a surtout essayé de faire jouer tous nos notoriétés pour pouvoir venir en aide à quelqu'un. Et aujourd'hui, ce quelqu'un, c'est Yazid qui est avec nous. On a été sponsorisé par une application qui s'appelle OneFootball, qu'on remercie et qui a accepté et surtout qui a insisté pour participer à la cagnotte de Yazid à hauteur de 1000 euros. Et cette cagnotte servira surtout à médicaliser un petit peu la maison de Yazid et surtout à l'aider. Alors je vais vous mettre le lien en description. Cliquez, partagez, un geste, ça peut faire énormément. Bon les amis, maintenant je vous présente tous ceux qui ont accepté de participer. Et vous allez voir, il y a du monde. Malik Amraoui. Merci frérot d'être là, Nino Arial. On est là. Merci frérot d'être là. Pierre Ménès. Ouais, moi qui déteste les arbitres, je vais faire arbitre. Ben voilà. Il s'appelle Paul, malheureusement c'est pas Pogba, mais il sait jouer au foot aussi. Cabessa, c'est pas mal aussi. Paul Cabessa, frérot, merci beaucoup d'être venu. Antoine, alias Scoot de Street, il est super à l'aise avec une trottinette, on verra s'il est aussi à l'aise avec un ballon. Le foot, c'est moi ça. Le ballon, c'est pas pour ça. Redouane Bougueraba. Là, on est là pour une très très bonne cause, on est là pour Yazid et on va essayer de jouer au foot. Pour pimenter un peu le match, ça c'est les deux jokers. C'est ce qui se fait de mieux dans le milieu du freestyle. J'ai choisi une fille et un garçon. Paula Gomez. Yo, yo, yo tout le monde. Et Logan, vice-championne de France de freestyle. Vice-championne de France et le plus beau freestyler. Yazid, c'est toi qui fais les équipes. Malik. Nino. Nino, orange. Alors. Antoine. Orange. Et c'est parti pour visiblement une partie de football avec un ballon qui lui colle au pied, il va essayer de la conserver au duel. Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Accélération peut-être de Nino Arial, il va aller jusqu'au but et l'ouverture du score. Nino, c'est vraiment de la merde. 1-0. But. Vas-y, triche. Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Les jaunes qui doivent maintenant réagir, l'engagement qui est rapidement joué par Malik, qui se faufile le long du grillage, ça passe, il va accélérer, devant un gardien qui en profite pour zouker, très joli déhanché. Avec Malik qui va tenter sa chance, s'il vous plaît qu'on lui achète un GPS. Il a failli se tuer. Contre-attaque de Castros qui va pousser son ballon, ça va aller au bout. Ah oui. Go. Non, évidemment, j'en rajoute, c'est pourri. 2-0 pour les rouges et il va falloir vite réagir avec les jaunes à la baguette. Ça se castagne sous les yeux du gardien qui est complètement paumé. Il se démarque et frappe. But. Le but. But. Mais non, j'ai marqué. Sincèrement, je comprends plus rien à ce sport, mais c'est un but. Engagement et nouvelle stratégie, le tir direct. Immédiatement copié par l'équipe adverse. Frapper c'est bien, cadrer c'est mieux les gars. Non. Ah ouais, sympa, Scoot de Street qui part dans une compétition de salsa. Bon, je crois que là c'est clair, on a définitivement oublié le ballon. Red One en collé serré avec Malik. Le câlin est sensuel, ça va bientôt conclure. Faute. Coup franc logique, vite tenté sur ce coup de patte avant un nouveau moment de solitude qui vous est offert par Scoot de Street. Observez ses petits pas. Quelle grâce, quelle volupté. Ça repart avec Redouane et Malik qui décidément ne peuvent plus se lâcher. Et Malik qui continue de s'exprimer, balle au pied, recherche un Paul Cabessa qui brille par son charisme sur le terrain. Paula freestyle à la récupération avec quelques petits gestes techniques. Par contre, monsieur Redouane, c'est tout sauf du football, ça. Redouane, faute. On ne fait pas d'attouchement sur les dames. Le coup franc lointain pour Paula et la parade. Et la parade du gardien qui, à ses heures perdues, gère aussi un poulailler. Alors que le public s'amasse en nombre autour du City Stade, on va pouvoir attaquer cette deuxième mi-temps. À mon humble avis, aussi pété que la première.
Allez, c'est reparti. Eh ben, ça joue toujours à 3 à l'heure et techniquement, ça n'a pas progressé. Peut-être là avec... non, toujours pas. Hein, toujours pas. Techniquement, c'est affreux. Oh, alors que Malik me fait mentir. Coup du sombrero. T'es un champion, garçon. Voilà, par contre, mauvais contrôle de Paul Cabeza. Ils vont profiter de ce coup-là, les rouges. Et oui, le troisième but, le voici, 3. Ça paraît désormais compliqué pour la team jaune, même si... Wouhou, l'humiliation. Petit pont sur un père de famille. Hein, c'est pas bien. Pendant que le gardien cherche visiblement ses clés. Ouais, attention, le débordement de Malik face à un French cancan de Scoot de Street. Et le but. Le but derrière, superbe but 3-2, la remontada est lancée. Et après cet engagement, oh là là, Castro toujours en mode air football, ça devient n'importe quoi là. Ouais, c'est parti. Scoot de Street qui va essayer de la récupérer. Oh là 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 là, c'est Kata, il va se blesser même tout seul. Pierre, s'il te plaît, arrête-moi ce carnage, je suis à bout là. Oh non, c'est pas possible! Le but qui va être validé pour moi, Malik, en renard des surfaces! Redouane et Malik au duel, qui d'après la légende d'ailleurs se doucheront ensemble dans les vestiaires. Destiné. Ah, merci. Merci pour ce coup de sifflet. Bon, du coup, vu qu'on a terminé sur 3 partout, hein, avec des joueurs qui ont été super honnêtes et qui n'ont pas du tout triché, on va les départager en tir au but. Je la vois là-bas. Attends, attends. Malik, oh non, pas ça. Pas ça, pas après tout ce que tu as fait. Et c'est donc les rouges avec Michael Jackson qui peuvent l'emporter dès maintenant. Le péno le plus éclaté du monde. On vous dit pas bravo pour le spectacle, mais on s'est bien marré, les gars, merci. En tout cas, voilà, je tenais à tous vous remercier d'être venus, d'avoir participé. Et Yazid, ça c'est pour toi, c'est de la part de OneFootball et de notre part à tous. Bravo. Voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à aller suivre Yazid sur les réseaux. C'est nickel, c'est aussi de la BNP. Hein. Et on remercie Pierre qui va rajouter 1000 euros aussi. Ouais. Moi, j'entends du Jimmy. Et surtout, allez suivre sa cagnotte en ligne sur ses réseaux sociaux, c'est Yazid Lebeau. Et le rêve de Yazid, un clic, un geste, ça peut paraître rien, mais pour lui, ça peut être énorme. Alors allez-y, on est ensemble. Merci Yazid encore. Merci Yazid. Et merci OneFootball. Oh, encore un petit cadeau. Une spin ball de l'équipe Spin. S'il la dédicace, ça vaut de l'oseille, tu peux la vendre. Merci à tous et merci Florent. Merci beaucoup.